We were catching the light from the window. Looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering, I'm not on my own. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais vous montrer. Ça, ça va au recyclage. Voilà, tout ça, ça va dans la vaisselle. Donc, il n'y a pas grand-chose à nettoyer à la main à part les trois casseroles là. Puis le reste, voilà. Ça va me prendre quelques minutes. Donc, l'état de ma cuisine, elle n'est pas nickel parce que on avait lancé juste avant de sortir la vaisselle. Du coup, on vient de rentrer. Je vais vider le lave-vaisselle. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, lorsque le lave-vaisselle est rempli, la cuisine est en désastre. C'est-à-dire qu'on pose tout sur le plan de travail. Donc, c'est un bazar total. On va vider ça et on va ranger tout ce qui doit être rangé. Et je vais laver rapidement à la main tout ce que je dois laver. Et ensuite, on va préparer les dîners. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez un maximum la vidéo. Allez, c'est parti. We were catching the light from the window. Looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering, I'm not on my own. Ooh, I'll go where you go. Ooh, knocks on my window. Ooh, let's keep it simple. Je viens ranger la vaisselle propre. Normalement, c'est le boulot de Stéphane parce que moi, je déteste faire ça. Ensuite, vous me demandez souvent comment je fais pour ranger mes cuillères et tous mes couverts comme ça. Franchement, je trouve que c'est pratique de ranger les cuillères ensemble, les fourchettes, les couteaux, de les ranger ensemble par catégorie comme ça pour vider. Ça me facilite la tâche. Je ramasse le tout et puis je mets dans le tiroir. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, voilà, je suis comme ça. Et si je ne suis pas la seule au monde, merci de me noter en commentaire, tu n'es pas seule au monde. Comme ça, je comprendrai que je ne suis pas la seule qui n'aime pas vider le lave-vaisselle. J'aime bien ranger. Alors, pour remplir le lave-vaisselle de la vaisselle sale, je suis la patronne de ça. Je suis la patronne. Je remplis toujours. Et le matin, Stéphane, avant d'aller travailler, il vide. Ou lorsqu'il revient, il le vide. Mais bon, en tout cas, le vidage, c'est pour lui. Je pourrais également mettre les poils dans mon lave-vaisselle, mais je vous dis honnêtement, je préfère les laver à la main parce que 1, ça prend trop de place dans la vaisselle et 2, je trouve que ça lave pas aussi bien que lorsqu'on lave à la main parce que les taches marron de graisse sous les poils ou derrière les poils ou les marmites, ça je déteste. Au début, ça me faisait ni chaud ni froid, mais quand je voyais Stéphane nettoyer et après ça brillait, je me suis dit, mais oui, au fait, c'est mieux de les laver, quoi. Quand on les lave tout le temps, ça n'a pas le temps de devenir marron, de s'entasser sous la poêle. Et donc, voilà, je lave à la main les poêles et les marmites. Je trouve que c'est plus propre. You got the love.
Alors, quand je nettoie ma plaque de cuisson, vous me demandez à chaque fois ce que j'utilise. Normalement, quand c'est vraiment très très sale, j'utilise le produit Sif. Je ne l'ai pas à côté. Je vais vous mettre la photo quelque part. Donc, c'est le produit Sif que j'utilise pour dégraisser et la hotte et la plaque de cuisson. Je frotte jamais, mais vraiment jamais ma plaque de cuisson, sinon ça laisse des rayures et tout, et ça je déteste. Donc la partie dure de l'éponge, je frotte jamais avec, je préfère laisser le produit agir. Et vous voyez là, c'était tout sec, mais j'ai mis de l'eau dessus, je l'ai laissé un peu, et là ça se détache vraiment facilement, j'ai pas besoin de frotter. Et l'astuce pour avoir une plaque toujours propre, c'est de laver toujours après avoir cuisiné. Quand vous cuisinez, moi, mon truc, c'est que dès que j'enlève les casseroles, les marmites chaudes de ma plaque de cuisson, dès qu'elle est froide, je passe un coup d'éponge. Et franchement, c'est la technique qui marche de tonnerre, quoi. Comme ça, on a une plaque de cuisson propre tout le temps. Mais lorsqu'on laisse la graisse s'entasser, s'encrasser vraiment à chaque fois, c'est difficile de nettoyer. Donc moi, à chaque fois, je nettoie. Voilà. Là, c'est l'œuf. Hein. C'est Annie qui a préparé l'œuf ce matin. Donc, il y en avait. Voilà. Vous montrer comment ça part facilement. Voilà. Je veux dire, je passe pas des heures à nettoyer comme ça, quoi. Avec ça, je nettoie après chaque cuisson et c'est bon. Une fois mon plan de travail propre, je viens essuyer toute la vaisselle propre aussi, puis je vais les ranger. Comme ça, je pourrai nettoyer mon évier. Alors, je compte vraiment changer mon évier parce que le blanc au début, ça, j'aimais beaucoup, mais ça demande pas mal de travail et vous avez été nombreuses à me dire que j'allais regretter mon évier en inox. Et mon mari, pareil, il me disait à chaque fois, il faut prendre un inox, mais je lui disais non, j'aime trop mon évier blanc, j'aime trop le blanc et tout. Et le noir, je ne voulais pas parce que j'ai une connaissance qui avait un évier noir et du coup, ça faisait des rayures. Ça faisait plein de rayures et j'ai pris le blanc, mais je vais revenir sur mon évier en inox. C'est mieux, c'est moins de travail et surtout, ça ne prend pas la couleur des nourritures. Vu que je fais plein de nourriture avec des épices comme le curcuma, le cumin et tout ça, donc ça laisse plein de tâches et honnêtement ça me prend un temps fou pour nettoyer. Where you been? Running from things that you know. Pour nettoyer mon évier, vous m'avez conseillé plein de produits que j'ai utilisés et finalement je trouve que le Pink ça marche super bien. J'ai même utilisé les nettoyants naturels, j'ai essayé la bicarbonate de soude avec du vinaigre et tout ça, mais honnêtement, je me suis dit, au final, pourquoi tous ces efforts pour ça, quoi? J'ai autre chose à faire, c'est du temps que je peux passer avec mes enfants, avec ma petite famille, donc pourquoi me casser la tête? Donc, je vais changer ça et le problème sera réglé. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Je sors le poulet que je vais préparer pour le dîner. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, je veux savoir à quelle heure vous commencez à préparer le dîner et à quelle heure vous passez à table parce que chez moi, ces temps-ci, ça varie beaucoup et les enfants n'ont pas envie d'aller se coucher. On s'est dit, bon, on va les sortir, ils vont bien se dépenser, comme ça, ils seront fatigués et c'est encore pire. Ils n'ont pas envie d'aller se coucher. C'est quelque chose, ça. Pourtant, ils sont fatigués, mais voilà, ils sont trop excités. La nuit, alors qu'avant c'était simple, on les mettait au lit tranquille sans problème. On a essayé la lecture, la musique avec Mathis, on chante jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi chanter, mais il a
pas envie de se coucher. Il se lève 100 000 fois le soir et c'est vrai que c'est épuisant. Nous, on aime bien les mettre au lit, s'asseoir devant la télé avec une petite tisane, être tranquille en couple. Mais ces derniers temps, c'est niette. Ce soir, j'avais envie de poulet grillé au four, donc du coup, je viens ouvrir mon poulet et en plus, j'entaille la peau et je lave avec du citron. Sometimes I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me. And I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. Pour la marinade, j'ai pris 2 cuillerées à café de moutarde, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du curcuma et un peu de thym. J'adore le thym quand je fais griller le poulet ou quand je fais la viande. J'adore le thym. Franchement, ça dégage une odeur agréable. Ensuite, j'ajoute aussi un peu de bouillon en poudre de poulet, un demi-citron. Donc, je mets le jus. Ensuite, j'ajoute de l'ail et du persil. Puis, on peut bien mariner notre poulet. Ensuite, je sors les légumes que je vais préparer avec le poulet. À la base, je voulais faire de la tchéké, mais j'ai changé d'avis. Je me suis dit, les légumes, les enfants adorent ça. Donc, je vais faire les petites légumes. Ça sera toujours ça de gagner. Et j'ai sorti les pommes de terre que j'avais au congélateur. Je pense que hier j'ai fait trop de pommes de terre, donc j'ai mis le restant au congélateur et ça se garde super bien comme ça. Donc j'ai pris aussi un poivron vert, je vais utiliser que la moitié, un poivron rouge long et une courgette et un oignon. Oh, morning always. It was dark for a while, but I can see the light. Lost my heart for a while, but now I'm feeling right. Hold your hope in the trial until you leave the night. Morning always. Une fois les légumes coupés, j'ajoute un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de paprika. Je dispose mes légumes dans un plat allant au four, puis je pose le poulet dessus, puis on va enfourner tout ça à 180 degrés pendant 40 minutes. Et à la fin du cuisson, on va monter un peu la température, je mets jusqu'à 190 degrés, des 100 degrés pour que la peau soit bien grillée. Just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my
but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Entre-temps, je prépare un peu de salade. Du coup, j'ai pris de la salade verte avec un peu de tomate, un peu d'oignon. On fait une petite marinade simple avec de l'huile de noix, un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre et je pense que c'est bon. Une fois notre poulet cuit, on le sort du four et on va mettre dans un plat adapté pour amener à table et on pourra manger. Et voilà les amis, notre poulet grillé est cuit avec les légumes, on pourra passer à table. C'est la fin de notre vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et on se dit à dimanche. Bisous.